Major Eldorlo. Veuillez vous lever pour l'hymne national et restez debout pour la prière. Et Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu habites au creux de mon cœur. Merci d'être là et de m'accompagner dans tout ce que je vis à tous les jours. Je t'aime. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril, jour 9, et voici vos nouvelles du matin. La valeur de la journée sera charité en prenant soin du matériel scolaire qui m'est prêté. Il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. La promesse du remplisseur de seaux. Je promets de faire de mon mieux chaque jour pour remplir des seaux. Ne pas plier celui des autres et me servir de mon couvercle. Pour moi-même et les autres, à la maison, à l'école et partout où je vais. Le jeudi 18 avril, nous aurons une journée chapeau de Pâques à l'école. On vous encourage à porter du jaune cette journée-là et à fabriquer et décorer vos chapeaux à la maison avec du jaune et d'autres couleurs de Pâques. Soyez créatifs. Pourquoi porter du jaune le 18 avril? Parce que nous allons faire une levée de fonds pour amasser de l'argent pour la Fondation canadienne du cancer. À partir du 9 avril et jusqu'au 17 avril, on vous invite à faire un don de 2 $ ou plus et en retour, vous allez recevoir une épinglette jonquée le 18 avril. De plus, si on amasse 500 $, M. Pascal accepte de se faire raser la tête. De plus, si on amasse 1 000 $, Mme Josée se fera aussi raser la tête. Ensemble, nous allons relever le défi. N'oubliez pas de rapporter vos permissions pour le tournoi de hockey salon qui aura lieu ce jeudi. Il manque encore des bananes. On veut des beaux aides, des beaux gestes et une récompense école. Allons-y, nous sommes capables. Bravo aux 12 élèves de 4e à la 6e année qui ont participé au concours lors de s'exprimer du Club Optimiste. Félicitations à Lily Tremblay, 1ère place, Emma Levert, 2e place et Félix Ménard, 3e place. Bonne chance à Lily et Emma au niveau de la zone le 23 avril. Les structures bleues sont fermées. N'oubliez pas d'envoyer les cahiers d'absence au secrétariat. Les surveillances d'aujourd'hui sont ce matin, Mme Lucie, Mme Mélanie, Mme Mylène, Mme Tania et Mme Josée. Ce midi, Mme Isabelle. En fin de journée, Mme Rachel, Mme Chantal Robillard Cardinal et M. Jason. Sur ce, nous vous laissons sur la capsule écolo. N'oubliez pas, à rouleau, on remplit les seaux! Oui, le défi écolo du mois d'avril sera grand. C'est un défi qui, avec un contrat d'engagement, ce qui veut dire que c'est une promesse que tu vas faire
à la planète de ne plus jamais acheter de bouteilles d'eau en plastique. Au soccer? Au soccer, t'achètes pas de bouteilles d'eau en plastique. Vacances? Vacances non plus, t'en achètes pas. Même à l'aréna? À l'aréna, t'achètes pas de bouteilles d'eau en plastique. Et au camping? Non, pas au camping, jamais. Donc, si tu signes le contrat d'engagement, ça signifie que tu vas jamais acheter de bouteilles de plastique. Et si tu le signes, on mettra le nom de toi et de ta famille, parce que c'est ta famille, il faut qu'ils signent aussi. Donc, on va mettre ton nom près du gymnase, puis ça va être le nom des familles qui s'engagent à ne plus utiliser de bouteilles d'eau en plastique.